Hey, salut à tous et à toutes. Après chaque présentation, il y aura une vidéo des trois chaînes que j'ai préférées. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres chaînes et à vous abonner si vous aimez. Et voici un autre style des jeux vos chaînes. C'est parti pour la partie numéro 43. Première chaîne YouTube, Lucas.g Production, chaîne que j'ai déjà jugée auparavant, il me semble. Tu as une chaîne propre et complète. Peut-être que je modifierai les miniatures. La qualité est bonne, même très bonne. Je pense que tu peux améliorer dans le son. Tu peux t'améliorer dans le son. Et surtout, pense au plan où il y aurait plus de luminosité. Je trouve ça parfois sombre. Tu fais un montage travaillé, une très bonne chaîne YouTube qui mériterait une vidéo de présentation. Mais concrètement, très bonnes idées comme ça. Et continue. Je te laisse un 9 sur 10. Cette personne, c'est Simon. Il a 17 ans. Il est assez naïf pour tomber dans chacun de mes pièges. C'est pour cela que c'est l'élément déclencheur de chacune de mes attaques. Hey mec. Franchement, il faut que je te parle hein, de ces produits de qualité. Là, on a le petit Ouais, vas-y, urbex explique. vers là-bas, tu sais, derrière la rivière. Lui, Ouais. c'est Franchement, Ethan. Il a bientôt 19 ans. C'est le d'accord mec avec le son plus style. intelligent de ce groupe Ouais, d'amis. ça va. Il est toujours présent pour les Je aider, cherche ce qui fait que ça pourrait les bien être gars. une cible Ouais, difficile. j'ai été Je faire un tour. cherche là à l'intérieur, genre, tu sais, t'as Ouais. un peu la porte qui est défoncée et tout. Ah, attends, j'ai un appel. Allô? Ouais. Est-ce que tu peux venir me rejoindre entre le camping et la rivière? Deuxième chaîne YouTube, Lo et Jess. Chaîne propre et complète pour vos plans. Faites un arrière-plan en lien avec tes vidéos parce que c'est pas ouf la chambre. Même si j'ai vu dans votre dernière vidéo, vous avez fait un effort et c'est très bien. Pensez à rajouter des trucs dans votre fond. Après, je pense que vous pouvez vous améliorer dans le montage en rajoutant des animations. Mais à part ça, ça va. Je vous trouve attachant. Ça se voit que vous kiffez ça. Vous faites de bons let's play. Vous laissez bien découvrir le jeu en l'animant. Donc bon boulot à vous. Je m'abonne à votre chaîne et je vous laisse un 9 sur 10. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Gélo en compagnie de Jessica et moi-même oui. pour faire un unboxing de la Woodbox de juin, du coup, la Woodbox classique qui contient Harry Potter, Toy Story, Zelda et Spider-Man. Spider-Man, c'est voilà, ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc la Woodbox est là. Merci de m'avoir. Voilà, c'était cool, j'ai bien aimé. Après, je m'en fous des autres, je préfère Harry Potter. D'accord. Ouais. Un petit zoom. Ouais. Donc on va unboxer la truc. Non attends, je peux ouvrir. Merci. Oui si tu veux. Mais on va unboxer la woodbox avec un couteau du coup. Voilà, c'était la précision de merde. On va ouvrir la woodbox. Attention truc. En sachant que moi du coup les licences de mon cœur sont plus au niveau de Zelda et après deuxièmement Spider-Man, mais plus non, Zelda. Il Quoi. adore Toy Story. Troisième chaîne YouTube, Lire. Chaîne que j'ai déjà jugée il y a vraiment pas longtemps. Chaîne propre et complète qui fait un bon début. Avec une vidéo, c'est dur de juger. Mais ton montage est bon, tu expliques bien. Un très bon début, je te laisse un 9 sur 10. Quatrième chaîne YouTube, Zazel. Chaîne propre et complète, tu expliques bien, tu donnes du punch, de l'énergie, pense quand même à parfois à articuler. Et ton montage est vraiment bon, difficile de trouver des défauts, tu fais d'énormes efforts et ça se voit. Tu devrais penser à faire attention à certaines fautes d'orthographe et c'est tout. Je m'abonne à ta chaîne YouTube, j'aime bien ce que tu proposes, je te laisse un 8 sur 10. Cinquième chaîne YouTube, Chari00166. Chaîne propre et complète, pense à rajouter des liens pour les réseaux sociaux, une miniature ou deux à changer, montage basique, la qualité du son est bonne, ainsi que la qualité de la vidéo, tu donnes du punch, du dynamisme, tes vidéos se laissent regarder, un bon début de chaîne où tu devrais t'améliorer en montage et en animation, mais à part ça, c'est bien joué à toi, je te laisse un 7 sur 10. Sixième chaîne YouTube, JRF TV. Chaîne propre et complète, vous êtes clairement mon coup de cœur de la semaine, même du mois. Vous traitez des sujets qui me plaisent beaucoup, vous osez des choses. Bon, après, ce n'est pas parfait, comme par exemple certains plans, la musique, le jeu d'acteur n'est pas tout le temps au top, mais franchement, j'adore, je m'abonne à votre chaîne. Je vous laisse un 10 sur 10. Bonjour et bienvenue dans Famille Chelou. Aujourd'hui, je me range chez une famille pas comme les autres.
Bonjour. Allez-y, rentrez. Bienvenue à Winterfell. Par contre, est-ce que vous avez vu la saison 8? Parce qu'on risque de vous spoiler un peu quand même. Winter is coming. Ok, Winter is coming, très bien, mais présentez-vous. Alors oui, moi c'est Jon Snow, ancien roi du Nord. On m'appelle aussi maintenant Aegon Targaryen, légitime héritier du trône de fer, que je ne désire pas d'ailleurs. Je préfère le laisser à ma tante, hein, ou ma femme, enfin Daenerys, comme vous voulez. Vous l'aurez donc compris, nous sommes aujourd'hui dans une famille beaucoup trop fan de l'univers Game of Thrones. Alors accrochez-vous à votre cheval et préparez-vous à une journée pas comme les autres. Septième chaîne YouTube, Manon Dream, chaîne propre et complète. Une vidéo de présentation serait très utile sur ta chaîne, même si ta première vidéo, tu fais un brief présentation. Mais c'est déjà pas mal, tu devrais travailler ton montage et peut-être rajouter des animations. Pardon, excuse-moi. des animations, ce qui rajouterait un petit côté sympathique, mais tes vidéos sont quand même toutes regardables. Si j'avais une fille qui adore me maquiller, je me serais abonné, même si... mais il continue comme ça. Je te laisse un 9 sur 10. 8ème chaîne YouTube, Clément Gaming. Oulala. C'est comme passer une Ferrari à une 4L. Manque description, lien pour les réseaux sociaux. Trop de vidéos en verticale ou met en arrière-plan. Que ce soit moins désagréable à regarder. Pas de montage, très mou. Manque de dynamisme et d'envie. Les miniatures à changer. Franchement, une chaîne très brouillon. Dommage, tout à recommencer. Je te laisse un 1. Sur 10, 9ème chaîne YouTube, Projet Richie, chaîne propre et complète, quelques miniatures à changer, certains titres à mettre plus en valeur également, la qualité audio et vidéo reste acceptable, le montage est présent sur chaque vidéo, tu essayes de faire chaque vidéo acceptable, fais attention à tes plans, à la luminosité, à rajouter parfois une musique libre de droit pour une meilleure fluidité et à côté de certains moments, mais chaque vidéo est regardable, du très bon boulot, je te laisse un 7 sur 10. 10ème chaîne YouTube, Wesson TV, chaîne propre et complète, mets plus en valeur tes miniatures et changer tes titres, je te sens à l'aise. Il y a des moments où tu pourrais un peu plus parler, interagir avec tes abonnés, à faire un peu plus de montage, mais à part ça, tes vidéos se laissent regarder. Tu traites plein de sujets, c'est du bon boulot, franchement au top, je te laisse un 7 sur 10. Donc merci à tous d'avoir regardé les 3, la partie numéro 43 des Juju chaîne, qui était vraiment périlleuse en super bonne chaîne, j'étais vraiment très content. Je pense d'ailleurs que c'est la Juju chaîne avec le plus de meilleures chaînes que j'ai traitées. Donc, les vidéos que j'ai présentées dans les 10, ce sont les chaînes que j'ai préférées. Donc, je ferai ça pour la suite de mes vidéos. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, encore une fois, et à la prochaine.